Hélas, dans beaucoup de familles aujourd'hui, des fois, il y a un enfant qui tourne mal, quoi. C'est difficile, il est difficile. Quel est le comportement qu'on doit avoir avec lui? Et bon, on peut l'apprendre de la Torah. Il y avait un jeune homme qui était un grand, grand, grand mécréant, un grand rachat, Essav, le fils de Yitzhak. Et on voit que Yitzhak le laisse chez lui à la maison. Ce Essav se marie. Ces femmes font en face de Yitzhak, qui font des sacrifices à l'idole. Cette fumée va rendre même Yitzhak aveugle. Il ne dit pas dégage, il dit reste. Et le jour où il demande de lui amener du gibier pour le bénir, alors là-bas, bon, on connaît l'histoire, Yaakov s'est déguisé en Esav, etc. Mais on voit que huit fois Yitzhak, dans son message, quand il parle, il appelle Bini, mon fils. Yitzhak sait très bien que c'est un rachat. Il avait Ruach HaKodesh, mais il faisait tout pour le ramener. Comment? De la gentillesse, de l'amour, de l'estime. Mon fils, oui, mon fils, mon fils. Nous, quand on parle aux enfants, quand je le dis mon fils, très rarement, d'accord? En quelques phrases, huit fois il a rappelé mon fils. Beaucoup d'amour pour ses enfants, c'est le seul moyen de le ramener.